Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Un épisode un peu mix, enfin qui va présenter pas mal de choses aujourd'hui. Premièrement, j'ai commencé l'exploration. J'ai rapporté pas mal de petites choses que j'ai déjà pas mal utilisées en soi quand on y pense. Surtout, hop, si on va dans l'inventaire, oui, j'ai trouvé par exemple pas mal de choses que je fais pas, un dissipateur de chaleur ça en fait pas, de l'électrolimace, des restes de machin, là, des connecteurs haute vitesse par exemple, quelques sphères de mesmer, etc. Là pareil, un système de refroidissement. Et j'ai aussi connecté pas mal de relais. Du dépôt dimensionnel pour être alimenté, on va dire, les au niveau des ressources principales. Donc j'en ai mis, alors pas un peu partout parce que, hélas, j'ai pas encore les ressources nécessaires. C'est triste. Pardon, j'ai la gorge qui me gratte. Et j'étais en train de me dire, en fait, j'étais en train de les faire tranquillou et jusqu'à ce que. Et ben il me manque des fluctuateurs de ME. C'est ballot. Hein. Donc bah, je vous propose de faire ensemble aujourd'hui les fluctuateurs de ME. Alors en fait à la base je voulais partir en expo avec vous. Et là je viens de me souvenir, hein, parce qu'il est très tôt le matin là. Il est très très tôt le matin là. Donc mon cerveau est encore hier. Et... Et donc j'ai mis du temps à me rappeler. Mais oui, on va faire le... D'accord, le bestiau qui passe à travers le mur, c'est chelou ça, hein. Donc je disais, donc je vais faire... on va faire ensemble... l'extraction de EME. Alors je voudrais juste voir un truc, c'est que là... Paf, 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 tac, tac, paf, ok. Si j'ai bonne mémoire, on a un truc de ME en plus, juste là quoi. Juste là en plein milieu. Alors je voudrais voir un truc également. C'est qu'il me semble qu'il y a un truc intéressant là-dedans. Oh, ou pas. Non. Ah si, on voit un truc, regardez. Une petite particule, de temps en temps. Voilà. Oh, super. Mais non, tu casses un truc et il y en a encore en dessous. Oh, ça bouge pas. Hein. Bon bah il y a une électrolimace violette. Écoutez. Il y en a d'autres ? Bizarre, ça m'indiquait qu'il y avait possiblement une chose. Par contre, c'est costaud à quel point ça, parce que faut péter ça avec un autre truc. Tu me diras, j'ai pas 50 000 trucs à. Bon, je pensais avoir un autre truc à utiliser. Ah, ça. Ah non, les dégâts ils sont bons. Hein. Ah non, ça fait moins de dégâts donc non, je vais pas faire ça. C'est pas bien grave. On va aller faire de l'EME alors. Alors ce qui est bien c'est que grâce au stockage dimensionnel je suis pas parti avec 30 000 ressources. On va voir ce que ça va donner, hein. Si ça se trouve c'était une erreur de ne pas prendre de ressources. Mais bon, on fait un test, hein. Ah oui. C'est vrai que j'ai lancé aussi des analyses au MAM. Ouais. Oh, c'est chiant ça. C'est pas du matière en plus, ouais, super. C'est une rareté ça. Ah bah dis, j'y arrive pas à me poser dessus. Non. Voilà. Ça me bloque la construction, ça je pense.
Bah tu vas revenir, je vais te donner un coup là déjà. Bon. Oh merde. Ça dégage toi. Il revient. Bon il saute. Au bout d'un moment tu l'as cherché, hein. Je suis désolé mais en plus avec ta sale tronche là de... Pardon. Putain ta tronche est... et c'est même pas du vide hein, c'est... tu passes au travers. Hop, dans la narine. Voilà. Pardon. Non, on est d'accord, il... Tout ça pour en plus rien. Enfin, le seul truc que tu peux faire à la rigueur, c'est t'amuser pendant 2 secondes avec son cadavre, quoi, c'est... Voilà. Ça, c'est dommage qu'ils aient rien implémenté par rapport à ça. Bon, bref. Tac, on va placer ça. Qu'est-ce que... Pourquoi je l'ai passé là? 1, 2, 3... Que je vais avoir besoin de fer et de cuivre en plus là. Bordel. C'est dommage. Hop. Pour faire les fluctuateurs de ME. Attends, de fer, de cuivre, ou alors c'est du... Oh. Je crois que c'est de l'acier. Non. Si c'est de l'acier, je suis un peu déçu là. Si c'est de l'acier, c'est pas un épisode qu'il va me falloir. Je vous le dis direct. Hein. Attendez. Non. Fluctuateur de ME. Ah. Ouais. Non mais ouais. 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 Bah y a possiblement une petite... une petite erreur quoi. Hein? Ouais, changement de plan. Parce qu'il faut que je design tout ça en fait. Va falloir que je design tout ça. Bah, je vous propose tout simplement de partir en exploration. Hein, j'avais commencé l'exploration, bah voilà, continuez. Ouais, je préparerai ça pour le prochain épisode. Oui, bah, c'est bien l'épisode foutoir, hein, j'ai envie de dire. Terrible. Terrible. Alors, je suis en train de voir hein, par rapport à la carte où est-ce qu'on va se diriger. En premier temps. Ici, donc je me repère moi par rapport à la carte de une carte interactive de Satisfactory pour trouver les choses intéressantes. Donc sphère de Mesmer, Summer Loop et truc UME. Alors par là doit y avoir un truc en théorie. Sauf que j'arrive pas du tout à me repérer. Oh la vache, c'est pixelisé. Ah oui, d'accord. Oui. Ah bah c'est super. Mon logo entier, mais ça passe pas. Et puis ils se font des dialogues là. Ada et le truc ami, c'est génial, j'adore. Symphony complete. You're not the Nod Effigy. Correct. The Nod Effigy is a temple? I do not think that is correct, even though I am not entirely certain of your definition of temple. The Nod Effigy is not you, but sings for you. That Nod Effigy is an entirely separate entity from me. We are even made of the same base components. He is a vessel of your intelligent clouds. Probably close enough for now. Ils font des dialogues, c'est génial. Oh. Oh, non, j'en entends bien d'autres. Maintenant on va passer de l'autre côté. On va essayer du moins. Ah c'est dingue ça. Mais c'est un peu dangereux en fait selon les cons de la carte.
Ah oui, je cherche aussi les disques durs, forcément. D'ailleurs, j'ai débloqué quelques recettes. Excusez-moi, je me mouche en même temps là. J'ai débloqué quelques recettes alternatives grâce au disque dur. Je compte continuer, hein, bien évidemment. C'est pas ça pourquoi je. Quoi? Ah oui. Tac. Oui, il n'y a pas le B ici, génial. Ah, parce que je me suis fait marrable la tronche là. Quand j'ai fait mes recherches de. Je suis parti en exploration et à un moment je me suis bien marrable la tronche. Je me suis fait. Munition à ça. Les disques durs. Bah, c'est couillon ça. Voilà. Heureusement que j'ai ça parce que moi je suis bigleux. Hein. Ah. Oh putain, ça sent vénère. Hein. Ça c'est pas boss ça, encore. T'as papa crasher et t'as papa sanglier en plus. Oh merde. Et... J'étais pas sanglier là. T'es parti pas sanglier. Oh, les radiations s'il te plaît. Préparation nécessaire. Cadre modulaire lourd. Là pour regagner un peu de vie tranquillou. Voilà. Et pour l'éliminer. Donc on avait dit il faut des cadres modulaires lourds. Très bien. Est-ce qu'on peut en ramasser sur le côté? C'est surtout ça ma question. Donc là apparemment non, là non plus, là non plus, là non plus. Je m'en fous là de la. Je m'en fous de la pierre. Enfin, de la pierre des. Non, du bois plutôt. Donc, cadre modulaire lourd, et c'est là où c'est trop bien, ça. C'est là où c'est trop bien, mais où c'est un peu de la merde en même temps, c'est que tu peux pas en prendre qu'une partie en fait, c'est tout ou rien, c'est un bloc ou rien. C'est un peu chiant. La merde, en plus c'est des lourds. On va envoyer ça au dépôt. Oh merde, mais du coup ils seront remplis, donc...
mauvaise nouvelle ça. Cadre modulaire lourd, ça doit bien être quelque part. Voilà. Hop, allez, on renvoie vite. Hop, on renvoie là, tout plein de trucs là, histoire que ça ne prenne pas trop de place. Le cadre modulaire fusionné, c'est bien parce que je crois que j'en ai un. J'ai dû croiser l'autre jour un truc comme ça là, qui demandait des cadres modulaires fusionnés que je n'avais pas. Oh non, il est mauvais. Je les ai pris, il est lourd. Hein. Ah ouais. Allez. Barrons-nous. Ouais, parce que là c'est plein là. Et ça me bloque le reste? Non, ça me bloque pas le reste. Allez, direction par là-bas. Je vois qu'il y a du monstre. Donc. Oh, une violette. Ok. Et si j'ai un repère par rapport à ma map. Quoi? Comment ça? Ouais, enfin, me faites pas des frayeurs. Oh, bah tiens. Ils me font des frayeurs là, les trucs aussi. Hein. On va manger un peu parce que. Pas prévu là de se prendre les coups là comme ça. Ok. Il y a forcément un monstre là qui m'attend. Non? Y'a rien? Ok, c'est bien. Doucement, du fil, du turbomoteur. Que des trucs que je n'ai pas encore, ça c'est super. S'il me demande lui, s'il me demande de l'énergie, je suis un peu dans la merde pour poser tout ce qu'il me faut. Juste ici. Pas de problème. Je voulais voir aussi un truc là. C'est. On avait bloqué une techno. On va poser le map vite fait. Qu'est-ce que je vais t'amener? Charbon de biomasse. Charbon de biomasse. Ouais, allez, tant qu'à faire, j'ai des biomasse qui traînent donc. Alors, je vais peut-être aussi en mettre un disque dur en recherche. Voilà. Où je suis? Ouais, c'est un peu du genre de bonne question. Hop, je crois qu'il y en a un, apparemment, il y aurait un truc de faire de mesmer par là. Ah, c'est pas ça là, que je vois là. Un peu en dessous là, parce que je peux pas capter les sphères de ma sphère avec ça. Ah si. Elle est au-dessus, je l'ai loupé. Ah bon? Ah! Non, elle est en dessous. Ah oui, 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 je l'ai vu, c'est bon. Ah merde, je pense. Pas de con. Waouh. Oh, ça, oui, c'est, ça, c'est très à la con en plus. Alors. Ah, ça, c'est vraiment pratique, ça. Il en faut 8 pour ça, ok. Je suis aux alentours aussi. Avoid arms and avoid metals that desecrated temples follow medicality. Oh, you understand. The tapestry unraveled, revealed its texture. Your veins weave familiar patterns, your vessels grow organs and eyes and mouths, and the ripples lap against our windows. Was it intentional? All that is shallow shall sing our deep song, and when the windows break the void, shall be a metal grave.
Mais son dialogue, c'est génial. Le mec a un Odessa. Je sais pas comment il a été payé, mais... Je veux bien son job, hein. Et je l'ai fait pour pas cher. C'est du génie. Oula. Ensuite, voyons voir... À se déplacer par là-bas. Ça non, oh, pas ah, non. Putain, quoi, hein, oui, si, c'est moi, Dani, Dani, oh, je suis dans les airs là, t'arrêtes, ça va, je t'ai mis dans le chargeur dessus là, oh la vache, putain, mais c'est violent ça, c'est bon, t'arrêtes, j'ai évité un chargeur hanté sur une pauvre petite araignée qui est nulle comme il n'y a pas quoi. Ouais, oula, la texture, miam miam. Alors. On se rendait où? Quelque part par là-bas? Quelque part par là. Là-bas je crois. J'ai l'impression que c'est là-bas. Hein. Bon, en tout cas l'araignée elle me fera plus chier je pense maintenant qu'elle est tombée. Ah. Bon. Fait de faire quelques obélisques. J'ai un truc là. Je sais pas ce qui passe par là mais j'ai un truc. Putain, le pauvre arbre carrément libre. Ok. Ah ouais, d'accord, c'est le charme là que j'étais allé chercher. Voyons voir, on est où? Là, apparemment, il y a un truc par là, on se marque pas, là, pas dans le coin. Question, j'allais dire, c'est est-ce qu'il est en hauteur? Non, apparemment. Ouais, c'est bon, l'irrigation. Ah, ça détraque mon capteur à sous-marin ou quoi là? Smart soup, je veux dire. Oh, des palbés. Oh, deux palbés. C'est bon là? Oui, j'ai compris. Je suis pas le bienvenu dans la zone, c'est bon. Non mais... Il est traqué le truc à ce morceau là. Soit il est en haut là, soit il est en bas. J'ai peur qu'il soit en bas. Ouais, d'accord, ok. J'ai pas vu ça. Ah bah ça c'est pas d'agent de bon, ouais voilà, araignée. Hein. Oh, je suis bon avec ma capacité à tirer aussi. Là par contre, okay. Quoi? Eh ben, c'est où les mobs? Allô? Ils sont barrés où? On va voir, attendez, là je vois juste ça en attendant. Déjà on va ramasser. Et, il cite. Ah bah c'est bon, batterie cassée. De l'alimentation électrique là juste à côté, par contre... 256 mégas. Voilà. Merci. Hop. Hop. Voilà. Saloperie, ils sont là. Pardon. Ça va, tu attaques encore à corps à distance toi? Me dis si je t'en veux si je t'en kikine. Ah puis il me reste combien? Il me reste 3 munitions de ça. De toute
falloir aller refaire un plein. Ah ouais, non mais d'accord. Il est dedans le swimmer sloop quoi. Il est en plein dedans. C'est bon, oui. On va se demander de pas le B. on va. Il va comme un barbare, saloperie, c'est de l'autre côté du mur. Tous les coups. Ah putain. Elle vient là, l'araignée. Putain, c'est pas cool. C'est le bruit de truc là. Et où le summer sloop? Putain, cave radioactif quoi, super. J'ai mal là. Faut que j'y aille. En fait, il faut que j'y aille avec mon capteur de swimmer sloop. On pouvoir me bouffer des noix de béryl. Et en tuant des mobs. C'est compliqué toute cette histoire encore. Okay. Alors, apparemment, il serait là, là. Ah, je suis dessus, ouais. Apparemment, c'est quoi ce délire? Il serait là-dedans. Je sais pas. Il y aurait encore une grotte en contrebas ou un truc comme ça. C'est dingue ça quand même. Ouais, ça va les mobs. Vous me dites hein, si je vous fais chier. Vraiment personne à Nongrada ici. Dingue. Ah, ok, peut-être une sorte de mini étage en dessus, je sais pas, on va faire le tour. Non, ça a l'air d'être au-dessus parce que j'étais plus près au-dessous, parce que j'étais plus près de tout à l'heure. C'est une dinguerie le truc qui est dans le sol. Attends quoi? Pourquoi j'entends des araignées? Le truc est là-dessous, dans le sol. Ou alors à moins qu'il soit en dessous, dans le minerai d'uranium, quoi. Si c'est le cas, c'est vraiment dégueulasse. Oh merde, oh putain, je regardais pas du tout mon écran. Saloperie, mais attends, mais tu m'as suivi d'où, toi? On va demander ce summer sloop là. Apparemment il veut pas. Donc on va pas l'enquiquiner. Hein, voilà. Et on va se rendre par là-bas. Par là-bas apparemment il y aurait une sphère de Mesmer ou autre comme ça. Ah, oh non. C'est comme ça que je me suis éclaté les jambes la dernière fois en plus. Comme ça que, que j'ai très mal fini en faisant mes recherches. Bien ça. Oh, j'aime bien ce que je vois là, une deuxième. Ok. Bah oui, c'est là. Coup de bol. Alors. On va essayer de faire d'une pierre 4 coups là. Pas trop mal. How nostalgic. In the beginning, there were the words, and the words made the world. I see you have been doing research. I must say you make for interesting conversation. Conversation. Singing together. Communication. Our tunes only plug at the strings of the tapestry.
Are you saying this is only the beginning? In the beginning, there were the words, and the words made the world. The words turned into song, open windows. The song played with instruments, weave a tapestry. A tapestry of temples and shrines, bodies and bones. Orchestral harmony, us, we, ours. Ça va dans la munition de ce truc là, tu vois. Les palbés et tout ce qui a un peu de valeur là-dessus. Hein. Enfin, troisième palbé là, c'est bien. Bon, je pense avoir tapé un mob par là, enfin, il s'est planqué. Non, sérieux là ? Ah oui, non, il est là. Puis encore une palbée, putain, c'est dingue ça. Là-bas on a vu. Non. Ok. On avance doucement mais voilà, on essaie de pas faire de conneries. Dit-il. J'ai mis que 3 balles, pas de chance. Sur l'extrême. Là 110, ouais, c'est pas des masses. Quoi encore? Ah, c'est pas power, ça. C'est ça. Bon. Ah, il a pris un chargeur là. Deux chargeurs, ok. C'est bon? Putain, deux chargeurs. Hein. Dingue ce truc. Hein. Voyons. Voilà, c'est ce que j'avais vu. On va ramasser un peu. Tout ramasser, ouais, alors les feuilles. Ben, peut-être pas une nécessité. Hein. Puis en acier, hein. J'aime bien le moteur, pourquoi pas, ça sert. Hein. Tout ça, ça peut servir. Ça le servira, à mon avis. Oh. Ouais, la tôle de cuivre, elle est un peu. Je sais pas comment le cuivre il a réussi à rouiller lui. Hop, et grâce à ce que j'ai ramassé, je peux ouvrir ça. Impeccable. Là, c'est quelque chose en piflard. Hein. Summer Sloop. Il est vraiment pas mal le coin, hein. Les monstres sont pas trop forts, ils sont nombreux par contre. Ils sont pas très forts mais nombreux. Donc deux monstres pour défendre une palbée. À la longue ça peut être un peu chiant. Ah, une palbée et une électronimasse bleue, pardon. Autant pour moi. Smart Sloop là-bas. Ah, vous voyez ce que j'ai vu. Il y a une épave. Il y a des monstres là. Hormoneuse. Bon, le Smart Sloop il est pas là, mais. Arrivé là, d'accord, là où j'ai fait mon pilier pour aller chercher du calcaire, je crois. Bon. Par chance, j'ai un masque à gaz. Attendez, j'avais vu un truc là, il est super. Mais bon, j'en ai pas non plus 50, j'en ai pas non plus pour 50 heures de masque à gaz là, donc on va faire attention. Oui.
Mais je sais, j'ai compris. Pardon ? Pardon ? Oh, je me suis fait fumer. Il m'a deux coups, hein, deux coups. J'ai blindé de palbé, donc je me suis fait fumer en deux coups. Bon, bah, l'incident du pionnier, hein. Je suis obligé, là, d'aller... Alors, il y a un autre truc qui est bien. C'est que tu gardes les équipements que t'avais en main, quoi. C'est un bon point. Mais vous voyez, enfin... Je me suis blindé de palbé en deux coups, il m'a défoncé le machin. C'est, ouais. Et puis, ils sont sortis de nulle part. Je les ai pas vus, hein. Immunisé en plus à la toxine. Il va falloir que j'aille rechercher tout ça, donc je suis obligé d'aller. Je vais aller chercher du carburant. Attends. Je suis plus obligé de chercher du carburant maintenant, je crois que je l'ai fait. Attends, on va utiliser ça là. Au plus pire, j'ai du carburant conditionné. Alors, je suis là-bas. Bon. Sont les aléas de l'exploration, hein, comment dire. C'est moi le biocarburant conditionné, il dure quand même sacrément longtemps pour un carburant pourri. Un carburant de base, j'ai envie de dire. Qui est pas pourri, mais la vache. Pas du turbo carburant, hein, je suis d'accord, c'est du carburant conditionné, ça. Du biocarburant, putain, le biocarburant. Attends. Ouais, biocarburant liquide conditionné. Dingue. Je traverse des vallées entières, quoi. Kiné. Yahoo. En tout cas, l'exploration toujours très risquée, hein. Surtout quand on est nul nul au jeu de tir comme moi. C'est un risque encore plus grand. J'ai plus de munitions, je suis obligé de récupérer mon machin en plus. Alors, c'est compliqué. Voilà, on se rapproche. Ouais, voilà, c'était là. J'ai de la chance, hein, c'est pas perdu nulle part là. J'espère qu'elle est plus là par contre. Saloperie. Là, à mon avis, vu le saut qu'elle a fait, elle est pas prête de venir m'en kikiner. Hop.
Allez, encore on vient. On va voir qu'elle remonte, on va essayer de piquer un cube ce qu'il y a là. Nécessite. Oh merde. 300 c'est beaucoup là en plus. Je vais tirer du canon. Merde. Je vais tirer un long câble là. Bah Manju, c'était compliqué quand même, hein. Les deux araignées, je m'en serais pas débarrassé, hein. J'ai plus de munitions presque. J'ai plus de munitions, hein. C'est même pas presque là, j'ai plus de munitions. Donc on va faire demi-tour vers la base. Vers la base, qui est là-bas. Oui, on peut faire un petit détour, hein, si je vois qu'il y a... Par exemple, pur hasard, vraiment, dépalbé. Et que je les vois surtout. Oui, c'est bon, la radiation, c'est bon. Sauvé. Peut-être, voilà, comme je dis, si par hasard il y a dépalbé, on va peut-être les ramasser. Non mais en fait, c'est pour la prospérité de l'espèce dépalbé en les mangeant, bah... Tout ce qui est grains, graines et tout, bah je vais les éparpiller un peu aux quatre coins quoi. En les rééjectant de mon corps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tu vois, c'est pour la pérennité de l'espèce. Comment ça manque de conviction? Ah bah tiens, tu fais de mes mains. Yes, actually, this might be a strange question, but it could give me invaluable insight. What, according to you, is the shape of our universe? It is a donut within a void within a donut within a void within a donut within a shallows, which is a ball of string wrapped around itself to contain the infinite deep within the inside-out string with windows and doors and a little spotty subdividing to the one resonance. I should have waited with this question. Hein. Oh putain, oh elle est. Non, faut pas se poser là. Okay, j'ai été attiré par l'électrolimace. Non. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah tiens, une autre sphère de Mesmer. Ah, j'ai éliminé des monstres ici, pardon. Ah bon? Ça doit dater d'un moment. Hein. Pourquoi j'aurais pas récupéré ça? C'est quoi ça? Souffre. Ok. Violet, ça, je reconnais ça. Oui. Derrière le machin, il m'a pas capté lui. Je fais que de passer. Hop, pas vu, pas prié. C'est vrai que j'ai pas le biocarburant. Là. Donc, on va se calmer un peu avec. On prend vite de mauvaises habitudes. Hein. Aussi là, j'en profite juste après le MAM, il faut que j'y pense, j'ai oublié de le faire en partant, je suis un peu déçu. C'est pas bien grave, qu'est-ce que c'est ça? Lingot de fer, 20 lingots de fer pour ça. Ça peut être intéressant. En soi. Hop, on va ranger un peu tout ce qu'on a chopé, c'est-à-dire ça. Ça je le garde sur moi, là il se fait un mesmer, je vais mettre
là. Oh, attendez, ça aussi. Bon, j'ai pas croisé beaucoup de plus de noix de berry, c'est dommage. Croisé. Bref. J'ai un truc. Ouais, j'ai rajouté des coffres là. Ça, ça va être mon coffre. Le truc dont j'ai pas encore l'utilité quoi. Ça va bien le faire. Ouais. Les trucs dont on n'a pas l'utilité, ça, ça, non, ça, ça, je vais le garder. Cristaux de quartz d'ailleurs. Il me semble que j'avais mis ça là, c'est pas très grave. Oui, donc on va lancer aussi. On est où ? La production là de tout ce qu'il faut pour la phase 3. Donc j'ai préparé, par exemple, si vous voyez. Là j'ai déjà produit tout ce qu'il faut en structure polyvalente et encore mieux. C'est que là j'ai boosté la prod en fait avec le smurfloop, deux smurfloop. Putain, la consommation 201 pour une assembleuse. Je sais pas combien elle est la consommation de base pour une assembleuse, mais attends. C'est 15. Autant dire, ça consomme un peu quoi. Ici, j'ai préparé ce qu'il faut pour les moteurs modulaires. Voilà, avec le stockage, là, j'ai cherché 20 tonnes de trucs. Des moteurs, du caoutchouc. Ici, des rotors, des plaques de fer machin pour faire des plaques trucs intelligents, là. Et ici, le sort de kino, là. Unité de contrôle adaptative. Hop, qui me demande tout ce bazar, là. Cadre modulaire lourd, pas tant que ça, de l'ordinateur, pas tant que ça non plus, et des circuits électroniques, pas tant que ça. Là, il va me falloir alors 2 tonnes de câbles, beaucoup plus de câbles que ce que j'ai là. D'ailleurs, je vais aller en chercher. C'est juste à côté, donc hop, on va aller chercher. Je sais pas comment j'ai calculé, je crois. Alors, je sais plus, je crois que j'ai dû calculer 15 ou 20 000 câbles, c'est un délire. C'est un vrai délire, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc hop. T'en avoir faire le calcul ensemble. Voilà. Là il me faut 20. Et ça il me faut 5 câbles automatisés par par unité de contrôle. Donc en fait ça me fait 100 x 5 x 20. 10 000. Ouais, il m'en faut 10 000. Bon. J'avais que c'était un grand nombre, un grand chiffre. Non, non, c'est ça, non. Donc on va relier tout ça au circuit électrique. On va vérifier que ça tourne. On va vérifier que ça tourne bien. Voilà, donc là ça prend les plaquages intelligents. Ça se fait. Alors j'ai tout boosté en surcadençage avec les éclats de charge. Voilà, j'ai eu un premier plaquage intelligent qui est parti. Là, c'est comme ça, là, le plaquage intelligent, il va en falloir 1000 mine de rien. Ouais, c'est 2, ça en consomme 5 par minute, ça m'en sort 5 par minute, c'est impeccable, c'est exactement ça. Attendez, on va juste vérifier, ouais, il est en train de travailler. Rapide en 2,5 par minute. Voilà les moteurs modulaires là le câblage intelligent il se fait, hein, il sera bien 6,25 par minute. Unité de contrôle adaptatif, tiens, il a dû en sortir une. Ah non, moi c'est ça le premier truc. Il en sort 6,25 là par minute. J'en consomme 12,5, donc j'en consomme le 12 de ce que je produis. Donc on va faire quelque chose. On va faire un groupeur.
Hop. Je te vois ça dans ma tronche. Hop. Ici, on va pas s'enquiquiner. Là d'un coup j'ai un câblage automatisé, hop je la surcadence, voilà. Comme ça on sera bien au niveau des câblages automatisés. Après il va avoir fini vite lui hein. Parce qu'il produit 2,5 par minute donc autant que ça. Il y en a 5 fois moins à faire donc. Non, ça va être long. Est-ce que je mets des multiplicateurs de sortie? Pareil. Franchement, je peux. Hein. Oh la conso! Ah ouais! Avis. Ça me produit 5 par minute, ça? Oui, c'est bon. Ouais. Oh, 730 mégawatts. Le consommax elle a fait un petit bond là. Je suis passé derrière. Bon après tout ça pour faire un fois deux. Bon et ce qui fait qu'il en sort pas 5 par minute mais 10. Si je me... Ah non 5, bah non on a doublé, c'était à 2,5. Wow. Voilà. Ouais. 4 summer sloop hein. C'est pour ça. Yeah. Vache. Ah la vache. Là ça va avoir fini en moins de 2. En moins d'une heure c'est fini ici normalement. Bon. Ah oui, j'ai aussi retravaillé un tout petit peu là, je sais pas si c'était déjà présent pour l'épisode précédent. Là on a plus la pente douce, on a une pente raide avec là, le collecteur ici. Ouais, je me suis dit ce serait mieux faire comme ça, avoir un plus gros espace de stockage, on sait jamais. Même si ici tu me diras, ça produira jamais beaucoup plus que ça. Enfin, on peut produire beaucoup plus pour l'instant. Moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je vais vous préparer l'épisode sur la production de ME. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain, c'était Tiob. Ciao.